Alors, mesdames et messieurs, j'ai deux bons sujets aujourd'hui que nous allons débattre ensemble rapidement, rapidement. Donc, je vous demande humblement de partager la vidéo, effectivement, parce que nous sommes arrivés à un niveau de notre existence où nous avons besoin de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, surtout aux acteurs politiques et à ceux qui sont effectivement à la tête de notre République de Guinée. D'accord la Guinée, avec ses 200, 245 857 kilomètres carrés, et avec ses quatre régions, euh, effectivement, naturelles, et ses 24 Zekni, hein, et plus de 14 ou 15 millions d'habitants, un beau pays, un paradis terrestre, c'est-à-dire un scandale géologique, là où on retrouve toutes les ressources du sol et du sous-sol. Mais effectivement, il y a une ressource qui nous manque, c'est la ressource humaine. La véritable ressource humaine. Parce que vous savez, nous sommes dans des pays développés, les pays euh, France, euh, Italie, euh, Espagne, euh, Amérique, Chine. On dit souvent que ces pays n'ont pas d'or, n'ont pas de bauxite, n'ont pas, pas de minéraux. Leurs sols sont pauvres. Mais vous savez, ce n'est pas ce qui est la véritable richesse. La véritable richesse, c'est la richesse humaine. C'est le contenu du cerveau. D'accord Parce que si l'intelligence, si... Ces pays, dans ces pays développés, là, les Blancs, ils ont l'intelligence qu'ils ont là. Si les Africains, ils avaient cette intelligence. Mais aujourd'hui, euh, écoutez bien, c'est les Occidentaux qui seraient des esclaves de, des Africains. Mais Dieu, c'est le Dieu de tout. C'est le Dieu de tout. Mais bon, que cela ne tienne, nous allons y essayer avec l'avenement de la démocratie, avec l'avenement de la révolution, avec l'avenement de la prise de conscience, avec euh, l'avenement d'éveil de conscience. Nous allons essayer de nous donner la main, effectivement, euh, afin de, de tirer ce pays euh, euh, de, des ténèbres de l'enfer vers la lumière parfaite. Ceci dit, euh, nous devons travailler avec la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou pas, nous devons dire la vérité, effectivement. Même s'il s'agit de dire la vérité à son propre père, il faut dire la vérité. Même s'il s'agit de dire la vérité à sa propre mère. Il faut dire la vérité, parce que si vous mentez à vos parents, ils deviennent en quelque, vous devenez en quelque sorte leur ennemi. Donc, nous allons essayer de dire la vérité aux acteurs politiques de la République de Guinée, aussi euh, à notre colonel, le colonel Mamadi Doumbouya, le colonel Téméraire, l'enfant qui a été bercé par la foudre, comme j'ai l'habitude de l'appeler le, le plus souvent. Alors, mesdames et messieurs, j'ai comme premier sujet, j'ai fait l'analyse, j'ai analysé euh, actuellement tout ce qui se passe sur la scène politique guinéenne, vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, en tant que la politique n'est pas bonne dans notre État, on ne peut pas aller de l'avant. J'ai souvent envie de parler de l'économie, mais comment voulez-vous que je parle de l'économie dans un pays qui est la Guinée Comment voulez-vous On ne peut pas parler d'économie actuellement dans un pays comme la Guinée. Parce que euh, politiquement, rien n'est stable. Les gens ont souvent envie que je parle d'économie, mais qu qu'est-ce qu que vous avez envie que je dise par rapport à l'économie guinéenne L'économie guinéenne est au poids mort. C'est au niveau le plus bas. Les pays comme la Guinée qu'on appelle les PPTE, pays pauvres, très endettés, très endettés, il s'agit, quand on parle d'économie dans ces pays, là mais c'est une perte d'énergie, mesdames et messieurs. On doit passer d'abord à la question politique. C'est pourquoi, si vous avez constaté, moi, le plus souvent, la plupart de mes débats où... Sincèrement je consacre mes débats sur l'aspect politique Parce que je me dis En tant qu'on n'a pas encore un très bon euh, euh, une, une très bonne ligne Une très bonne conduite Sur le plan politique On ne peut pas parler d'économie On ne peut même pas parler D'organisation de, 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 de la société Parce que c'est la politique qui dirige tout Vous devez comprendre cela C'est pas parce que je n'ai pas envie de parler d'autres sujets. Je ne sais pas parce que euh, 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 je n'ai pas envie de parler d'économie. Je n'ai pas envie de parler de société et tout ça. Non. Mais pour ceux qui savent et pour les hommes intelligents et les femmes intelligentes, nous savons que la politique c'est la chose la plus grande dans une nation. Et je vais plus loin même pour vous dire que en tant que la politique n'est pas bonne dans un état, même pratiquer la religion dans les conditions les meilleures, c'est impossible. On peut pas en tant, c'est-à-dire en tant qu'il n'y a pas de il y a, il y a pas de bonnes décisions politiques dans un pays, même les imams, ils deviennent des hypocrites, ils deviennent des aigris, ils deviennent des voleurs, ils deviennent des menteurs, les imams, ils deviennent des violeurs, les imams, ils deviennent des trompeurs. Les pasteurs, ils deviennent des voleurs et des menteurs, ils deviennent des escrocs en tant que les décisions politiques ne sont pas bonnes dans l'état. C'est pour vous c'est pour vous expliquer euh, la grandeur de la politique. J'entends souvent des gens dire ben écoutez, les imams doivent se, doivent se consacrer seulement à, à, à la mosquée, les pasteurs doivent rester seulement à l'église. Je me dis, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce qu'on ne peut pas dissocier la politique de la religion. D'accord Parce que c'est la politique qui gouverne tout. C'est la politique qui oriente la religion. C'est la politique qui oriente la société. C'est la politique qui oriente la culture. C'est la politique qui oriente l'économie. C'est la politique qui fait tout. La politique est le valant. C'est-à-dire, la politique, c'est le bon conducteur ou le mauvais conducteur de la voiture qu'on appelle l'État. Donc, nous devons nous battre afin que cette politique soit une politique meilleure. Quand je vois souvent certains commentateurs ou certains blogueurs ou certains journalistes nous parler de l'économie, moi, ça me fait sincèrement rire. Je me dis, mais vous parlez de quelle économie de la Guinée Vous parlez de quel développement d'économie on peut pas parler même, on peut pas parler d'économie dans un pays en tant qu'il n'y a pas une administration forte. Comment voulez-vous qu'on parle d'économie dans un pays où il n'y a même pas de justice fiable, hein? Où euh, on, on auditionne pas, où on n'arrête pas, où on n'emprisonne pas les grands fossoyeurs de, de l'économie? D'accord? Il faudrait d'abord qu'on se batte pour donner une direction euh, 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 beaucoup plus large. À notre politique pour que cette direction soit une direction positive. Alors mesdames, et messieurs, ça c'était l'introduction. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet parce que il faudrait souvent que j'explique aux gens pourquoi moi je me consacre sur la politique, la politique, la politique. C'est pour vous donner l'importance, c'est pour vous expliquer l'importance de la politique. C'est pour vous dire effectivement ce que représente la politique dans notre société et la société contemporaine. <coughs> Excusez-moi, ça a toujours été comme ça, même dans les dans les temps euh, euh, immémoriaux, là, Et okay. même dans les temps pendant la royauté en Afrique, où on parlait de l'Empire de l'Empire de Ghana, l'Empire de Soso, euh, l'Egypte antique, la Rome antique, euh, partout on a parlé antique, antique, c'était la politique, la politique avant tout. Donc, les Guinéens doivent comprendre que nous devons nous battre pour qu'il y ait une très bonne politique dans notre État. Il ne faudrait pas que vous, vous, vous c'est-à-dire, vous vous trompez de débat. D'accord Ne parlez pas de religion, ne parlez pas de société, ne parlez pas de culture. Même le sport, d'abord, je, je, je vais vous expliquer, dans les pays, on parle de développement de sport. Mais vous pensez que c'est quoi Ce sont les décisions politiques qui investissent pour que le sport aille de l'avant. Pourquoi la Guinée n'avance toujours pas Le Civilisation n'en avance toujours pas. Parce qu'il n'y a pas une bonne politique dans la fédération guinéenne. Il n'y a pas une bonne politique à la tête de l'État. Et en tant qu'il n'y a pas cette bonne politique, on ne peut jamais remporter, remporter une canne, encore moins une Coupe du monde. Parce qu'on n'est pas structuré, il n'y a pas d'argent à la base. D'accord? La fédération n'est pas la fédération ne repose pas sur une bonne politique, une politique d'avancement, une politique d'organisation, une politique d'aide des enfants, une politique de recrutement. Des, des talents, une politique d'encadrement des talents, une politique d'orientation des talents, une politique d'aide des talents d'accord, une politique de restructuration des talents, il n'y a pas ça une politique de construction des centres une politique de recrutement c'est ça qu'on appelle la politique c'est pourquoi nous devons nous battre pour qu'il y ait une bonne politique alors mesdames et messieurs, ceci dit en passant je reviens maintenant à mes mots et tons. après une très longue réflexion, partagez le live je me dis quand même c'est curieux. C'est curieux parce que le peuple de Guinée, dans les conditions normales aujourd'hui, le peuple de Guinée doit le maximum de respect à M. Seloudalendjalo. Nous devons respecter cet homme-là. Et la classe politique guinéenne, Billahi, si la classe politique là, veut le respect, cette classe politique doit respecter M. Seylou A commencer par M. Sidi Je dis bien politiquement, ils doivent respecter ce monsieur. Commencez par M. Sidi Touré Allez-y toucher M. Lansana Kouyate, les Baouri, les Mamadou Silla, les Ousmane Kaba, tous les Fayamili Mono, les Elikamano, Kamano, les Ali tout ce que vous connaissez aujourd'hui sur la scène politique guinéenne, ils doivent respecter Seloudalin Diallo. Ils doivent le respecter. Je réitère encore, il ne faut jamais manquer de respect à ce monsieur-là. Parce qu'au fur et à mesure que vous manquez de respect à ce monsieur-là sur la scène politique guinéenne, c'est au fur et à mesure que vous creusez votre propre tombe. Ce monsieur, il mérite le respect. Il mérite le respect. Et je vais même dire à son Excellence, Monsieur le Président, je vais vous dire que dorénavant, vous devez être dans une structure beaucoup plus grande. Quand je dis dans une structure beaucoup plus grande, il ne faudrait pas que vous apparaissiez dans toutes ces réunions qui n'ont pas de queue, encore moins de tête. Il faudrait qu'on commence maintenant à vous respecter. Et vous devez vous respecter davantage. Ce n'est pas se prendre, ce n'est pas être arrogant, ce n'est pas être ostentatoire, ce n'est pas être quelqu'un au-dessus de la mêlée, mais vous devez vous respecter, monsieur le président. Nous, nous, les jeunes, nous devons créer cette condition de respect pour ce monsieur-là. Il ne doit pas être le cure de tous ces politiciens, de, de, de tous ces, de de ces, de ces micro politiciens en République de Guinée. Moi, ça me fait mal. Sincèrement, ça me fait mal. Quand je vois des gars comme Fayamili Mouno prendre la parole aujourd'hui pour parler au nom du peuple, j'ai envie de cracher. Quand je vois aujourd'hui des gars comme Lely Kamano prendre la parole pour parler de la politique guinéenne, mais moi j'ai envie, envie de cracher, évidemment. Quand je vois certains politiciens guinéens, ceux qu'on appelle même les cadors de la politique guinéenne, les Sidiatouré, les Lansana Kuyate, les Ousmane Kaba. Mais écoutez, mesdames et messieurs, écoutez. J'ai envie d'être devant eux et de leur dire écoutez, vous n'avez pas de mots à dire ici. Vous n'avez rien, mais vous n'avez absolument rien à nous raconter. Absolument rien. Le seul et unique qui a compris la politique dictatoriale d'Alpha Condé et qui a combattu cette politique dictatoriale d'Alpha Condé, mais évidemment, <laughs> c'est M. Siroudalé Diallo. C'est lui. Vous le devez le maximum de respect, s'il vous plaît. Et je vais même dire au colonel Majid Dumbuya, son Excellence, je sais que vous voulez de l'équité. Je, vous, vous je sais que vous voulez de l'égalité. Je sais que vous voulez qu'on travaille ensemble. Mais vous savez, sincèrement, il faut que vous reconnaissez que toutes les vaches n'ont pas le même prix. Non. Tous les taureaux n'ont pas le même prix. Non. Tous les moutons n'ont pas le même prix. Non. Il faut que vous compreniez que. C'est dans la cour de récréation que tous les élèves se mélangent. Sinon, chacun connaît sa classe. Et chacun connaît son rang dans sa classe. Mais à partir du moment qu'on sonne la cloche là, pour dire c'est la récréation, c'est en ce moment qu'on retrouve tous les élèves. L'école primaire, il euh, y, y a même des complexes, l'école primaire, le collège et le lycée ensemble. Donc, le colonel, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faudrait que vous fassiez très attention. Parce que quand on dit souvent que les petits politiciens viennent s'adresser aux grands ou bien viennent s'attaquer, moi je ne parle pas de tous les grands. Je parle de son excellence, Monsieur M. Diallo. On le doit le maximum de respect. Le colonel m'a dit, lui-même, il est conscient de cela. On me dira, oui, à un moment donné, ils étaient tous dans le FNDC. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Qu'est-ce qui s'est passé Quand certains ont compris que, oui, Alpha Condé avait fini déjà, certains ont pris le vol. Certains sont allés en Côte d'Ivoire. Certains sont venus ici à Paris. Certains sont allés aux États-Unis. N'est-ce pas Certains se sont tués. Certains ont même fait, et ils ont commencé à tenir des discours doux euh, euh, en faveur d'Alpha Condé. On a vu certains à l'investiture d'Alpha Condé. Notamment le docteur Ousmane Kaba. Lui qui nous dit, oh non, moi j'ai reconnu Alpha Condé pour ne pas qu'il y ait une guerre civile. Monsieur Ousmane Kaba, moi ça me fait rire quand vous tenez des discours pareils. Je me dis, mais... Ah, écoutez, vous avez reconnu Alpha Condé pour qu'il qu n'y ait, qu ait pas de guerre civile en Guinée. Sérieux là Monsieur l'économiste agrégé. Hein? Agrégé, monsieur l'économiste d'État. Hein? Vous avez reconnu Alpha Condé pour ne pas qu'il y ait de guerre civile en Guinée Alors, votre reconnaissance d'Alpha Condé là, c'est ce qui a provoqué la guerre même civile en Guinée. D'accord C'est ce qui a d'ailleurs poussé le colonel Mamadi Doumbé à renverser Alpha Condé. Le fait que vous avez reconnu. Alors que vous reconnaissiez Alpha Condé ou pas, ça changeait quoi Vous l'avez reconnu, ça a changé quoi Monsieur Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba, fondateur de Kofi Annan. Vous avez, vous avez reconnu Alpha Condé, ça a changé quoi Ça changeait quoi Aujourd'hui, vous êtes humiliés. Moi, c'est ce qui me fait mal. Que je vois des cadres comme ça, nous, les petits, nous sommes plus visionnaires qu'eux. Moi, c'est ce, ce qui me fait rire. Ce sont nos pères. Ils ont mieux étudié que nous. Ce sont, sont nos maîtres à penser. Mais qu'ils tiennent des propos pareils, des discours pareils là. Moi, ça ne passe pas chez moi. Je me dis, mais vous avez quand même été aux États-Unis ou en France, vous avez fait des routes d'études, vous avez marché. Comment vous pouvez tenir des propos pareils là Et aujourd'hui, vous n'avez plus de crédibilité. Il n'y a plus de crédibilité. Les gens ne croient plus en vous. Et puis, c'est vous qui voulez euh, parler au nom du peuple de la, au, au peuple de Guinée, sur la scène politique guinée. Mais moi, ça me fait rire. Hein Ça me fait rire. Quand je vois M. Lansana Kouyate qui descend en Guinée parce qu'Alpha Condé n'est plus, je me dis, mais M. Lansana Kouyate, vous allez chercher quoi en Guinée Il faut changer de métier. Restez diplomate, cherchez autre fonction à l'international. Vous avez toujours été fonctionnaire international. Restez là-bas. La politique n'est pas faite pour vous. Donc, même si je comprends bien M. Lansana Kouyate, c'est maintenant que Alpha Condé n'est plus que vous allez venir continuer le combat. Mais quel combat que vous allez continuer Quoi Quel combat Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Qu'est-ce que vous. Vous voulez avoir quoi Quel pouvoir Même les militaires qui sont au pouvoir, ils sont étonnés de votre arrivée. Colonel Mamadi Doumbouya, votre neveu, M. Lansana Kouyate, Vous devez savoir qu'à un moment donné, vous avez été mon idole, un exemple à suivre. Et vous restez toujours un idole pour moi. Vous restez toujours un exemple à suivre sur le plan intellectuel, sur le plan de vision vous avez toujours été comme ça, vous restez toujours pour moi. Mais politiquement, non, vous n'êtes pas une référence pour moi, sincèrement dit. Je ne voudrais pas que vous veniez vous saluer, vous salir en Guinée. Parce que même les colonels, les militaires au pouvoir, la population elle-même est étonnée de votre arrivée. La population se pose la question. Mais qu'est-ce que le baobab la vient chercher en Guinée Lance a couillé avec son envergure. Qu'est-ce qu'il vient chercher en Guinée Maintenant, qu'est-ce les gens même se sont étonnés les gens se posent la question, évidemment. Même le colonel, votre neveu, lui-même, il est étonné. Au palais Mohamed 5, là, il ne cesse de se poser la question ah, qu'est-ce que mon oncle est venu chercher en Guinée Après tant d'années, après dix ans. Il est resté à Paris après combien d'années Il a laissé le pays comme ça, couler. Mais on, un capitaine ne laisse pas son navire. Hein? Un général n'abandonne pas son armée sur le terrain. Le général cherche toujours des solutions. Mais mon oncle, moi même moi, je suis étonné. Et ce qui me fait rire, c'est que c'est des gars qui viennent, ils s'arrêtent devant le colonel pour tenir des discours. Quand je les ai vus la fois dernière, je me dis, mais, mais ça, c'est quand même ridicule, c'est ridicule. Je peux comprendre un peu, M. Sidiatouré, un, un tout petit peu, parce qu'il a fait montre de résistance, un tout petit peu, effectivement. Il s'est tenu là, il était là, et puis voilà, euh, il a fait quelque chose, un tout petit peu. Je, lui, je peux le comprendre un peu, mais ceci dit, à il peut avoir au moins le bénéfice du doute, d'accord Hein Mais écoutez, que nous entendions les faibles Milimouno parler aujourd'hui au oh nom. Je, je me demande, où il parle au nom de quel peuple Il parle au nom de quelle jeunesse Eux, ils ont quoi à nous dire Peuple de Guinée. Il faudrait que désormais que tu fasses un choix utile. Mais écoutez, on en a marre de ces gens-là, sincèrement. On en a marre d'eux. Billah, on en a marre d'eux. Il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Nous devons remettre à César ce qu'il mérite et donner à Dieu ce qu'il appartient. Donner à Dieu ce qu'il appartient et donner à César ce qu'il appartient. Aujourd'hui, en République de Guinée, c'est lui qui est l'homme du peuple. C'est celui d'Al Diallo, que vous voulez ou pas. La vérité n'en plaise ou pas, mais c'est ça. C'est ça. Même les coqs en Guinée, les coqs du RPG arc-en-ciel, ils sont conscients de la constance et de la persévérance et de la ténacité de ces loups. Même les coqs du RPG arc-en-ciel. Hein? Même les coqs, quand les coqs parlent là, cocorico là, les coqs chantent le matin là, ces mêmes coqs là, ils disent, écoutez, les autres là, on vous connaît pas. Nous, c'est ces loups, on connaît. Si Alpha n'est pas là, c'est ces loups. Parce que c'est lui qui nous a montré qu'il est l'homme fort. Vous autres là, vous êtes venus chercher quoi ici? Même les coqs. Du RPG arc Eux-mêmes, ils sont étonnés quand ils chantent le matin. Ah, dis Mais il faut qu'on se respecte dans le pays-là. Hein. Il faut qu'on se respecte en Guinée. Vous devez respecter cet homme-là. Parce qu'il a refusé tout, 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 tout. Il a compris que Alpha Condé n'était pas l'homme, n'était pas l'homme de la Guinée. Il faut que vous le respectiez quand même. Après, on me dira oh non, tous les partis politiques sont égaux, nanani, nanana. Eh, on se connaît dans le pays là. Hein. On sait qui est qui est capable de quoi. Et on sait qui a le poids. On sait très bien. Donc, au peuple de Guinée, il ne faut pas te tromper dorénavant. Il faut faire un choix utile. Il faut faire un choix utile. Et je dis au colonel Mamadi Djumbuya, colonel, s'il vous plaît, quand vous faites, vous faites appel à tous ces gens-là, parmi ces gens, il y a les gens. Et parmi ces gens aussi, il y a les bons gens. Parmi ces bons gens-là, il y a le plus bon. Donc, il faudrait que vous fassiez au moins une catégorisation de ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas se permettre de venir écouter des charabias, des personnes qui n'ont absolument rien porté à la Guinée. Pendant la dictature ralpha Le peuple est conscient, mesdames et messieurs. Le peuple est conscient. Non, il faut qu'on respecte ce monsieur quand même. Il mérite humblement le respect. Acteur politique, respectez ces loups. Ce n'est pas parler à son nom, ce n'est pas faire son apologie, non, non, ce n'est pas ça. Mais nous sommes conscients de ce qu'il a fait. Vous savez, pendant qu'Alpha Condé était là, je vous ai dit, aucun mal, aucune injustice ne demeure impunie par le tribunal de l'histoire. Si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre demeure et se transmet de génération en génération. La plutocratie d'Alpha Condé, la dictature d'Alpha Condé, ça a été un mal. Et ce mal-là, ça restera jamais impuni par le tribunal de l'histoire. Le tribunal de l'histoire, c'est le peuple, c'est le temps. Et c'est ce tribunal de l'histoire-là aussi qui est conscient de la force mentale du penseur, de la force mentale de l'homme visionnaire, de la force mentale de l'homme républicain, l'homme démocrate qui est ses là C'est le peuple, c'est ce peuple-là, c'est ce tribunal de l'histoire-là qui est conscient de, ce, de cet homme-là. C'est pas vous. Que vous reconnaissez ou pas, ce tribunal de l'histoire-là, ce peuple de Guinée est conscient de ce que l'homme-là a fait. De ce qu'il a fait. On me dira, oui, qu'est-ce qu'il a fait <laughs> Vous savez que le colonel Mamadi Doumbouya, il a été la dernière phase de la lutte de ces loups. C'est pourquoi à chaque fois que je parle de ces loups, je parle du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que le colonel est allé achever. C'est comme si vous prenez un lion, vous coupez ses bras, ses membres, ses quatre pattes, vous les coupez. Vous, vous arrachez ses dents, c'est-à-dire ses canines et tout ce qui est dents, ça reste seulement sa peau et euh, euh, sa voix rogue. D'accord Mais, écoutez, même l'enfant le plus téméraire, évidemment, il peut venir déloger, il peut venir s'amuser avec ce lion. Donc, ces loup, il a coupé tous les membres d'Alpha Condé. Il a arraché les dents de ce lion qui était Alpha Condé. Et c'était un lion qui grondait pour effrayer. Je vais vous expliquer comment il a terrassé Alpha Condé, comment il a coupé tous les, tous les membres d'Alpha Condé. C'est loup. à chaque fois qu'il faisait les discours là, à chaque fois qu'il parlait de dictature d'Alpha Condé chaque week-end là, à l'international, Alpha Condé perdait le poids. Et la perte de poids d'Alpha Condé équivaut également effectivement, n'est-ce pas, à la coupure de ses jambes et de ses membres. Alpha Condé n'avait plus de crédibilité. Et c'est là où il a contribué largement à la décrédibilisation d'Alpha Condé. ce qui nous a amenés ici. Parce qu'un chef qui n'est plus crédible, effectivement, il ne peut pas avoir d'argent au niveau des, des institutions financières internationales. Son opposant qui est là et qui dit on est en train d'emprisonner nos, nos, nos militants, on est en train d'emprisonner mes collaborateurs, on est en train de maltraiter mes collaborateurs. Vous pensez que le monde est aveugle Le monde n'est pas aveugle. Dans ce grand monde-là, les gens ont compris que ce que s'ils si nous disaient que c'était la vérité. Donc, les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, quand on disait souvent, oh, l'économie guinéenne se porte bien, oh non, c'était faux, c'était du charabia, c'était du montage. Par fini, ils ont compris qu'on ne peut plus débloquer de l'argent pour donner à la Guinée. Les sanctions ont commencé à tomber des États-Unis, de l'Europe. Même militairement, on n'y plus. C'est par rapport au discours, aux sorties de son Excellence, M. CDD. Vous ne comprenez pas, à chaque fois qu'il faisait souvent <laughs> ces lives-là, à chaque fois qu'il il faisait souvent ces discours-là, chez lui-même, vous ne comprenez pas. Mais les gens comprenaient le sens de ces discours, à l'international même, ses collaborateurs, ils comprenaient. Donc on a coupé les membres d'Alpha Condé, on a arraché ses dents. Et le colonel, comprenant la nécessité de finir la lutte de ces loups, il s'est dit, ben, écoutez, ces loups, il a fait... Effectivement, c'est qu'il a pu. Il a nettoyé le chemin. Il a nettoyé la route. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ce que je peux faire, évidemment, c'est d'aller prendre ce vieux-là, le mettre à côté, pour le sauver, pour sauver, garder sa vie. Parce que le vieux lui-même, il est pris en otage. Il n'a plus rien, il n'a plus de poids, il n'a plus de crédibilité. Alors, si je ne finis pas la lutte de ces loups, je serai complètement un militaire maudit. Je ne serai pas un patriote. Pourtant, j'ai, je suis né. On m'a donné, on m'a donné la vie pour être patriote et pour finir la lutte de ces loups. Alors, le colonel, il est, comprenant la nécessité, il a dit: bon, écoutez, je vais finir le boulot. Parce qu'il il, il, il ne reste plus rien, je vais finir le boulot. Hein? Et il a fini le boulot. Ça a été trop facile. Donc, mesdames et messieurs, vous ne savez pas ce qui est dans la tête du colonel. Le colonel, il a dans sa tête-là, dans les méandres de sa pensée là, il a dans son cerveau, M. Cerudal Njalo. N'en plaise ou pas, mais c'est la vérité. Si le colonel aujourd'hui devrait parler en toute sincérité devant le peuple pour dire, <laughs> l'homme qui mérite exactement le pouvoir, après moi le colonel m'a dit, Dumbuya, effectivement, je ne suis pas un ethno. Ok, je veux la réussite de la Guinée, je veux le développement, le progrès de la Guinée. Si aujourd'hui, il y a un acteur politique qui mérite plus le pouvoir que tous les autres, et si moi, le colonel Madjid Doumbouya, qui combat l'ethnocentrisme, qui combat le, le tribalisme, qui combat le régionalisme, qui combat toute forme de génophobie dans ma République, qui est la République de Guinée, si moi-même je dois voter pour quelqu'un, sincèrement, ce serait M. Segoudalengjalo. Mais il ne peut pas dire cela. Parce qu'en tant que représentant de toute la Guinée, s'il dit cela, on dira, oh, il a fait son choix. Oh non, c'est ce qui restait maintenant. Oh non. Mais le colonel, il est conscient. Il n'a pas oublié ses Il sait très bien ce que ce monsieur-là a subi. Il sait très bien ce que son parti a subi. Le colonel, il n'est pas, il n'est pas inconscient. Il est conscient de cela. Mesdames et messieurs. Donc, c'est au président Sérouda Lincialo de savoir maintenant où mettre le pied. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il ne doit pas mettre le pied partout. Et je vais vous dire quelque chose. Si effectivement, cette coalition, CPP, si effectivement, ils comprennent... La nécessité de s'aligner derrière ce monsieur et de former un bloc impénétrable pour faire face à tous ces mytho politiciens de la République de Guinée. Allez aux élections, je pense que ça sera une décision salutaire en République de Guinée. Mais ça va venir. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Ça va venir. Restez cool. Ceux qui sont là, forum des partis politiques. Vous allez voir. Parmi vous là, qui est crédible? Parmi vous, là, qui est crédible? Et si je, je, dois, même, je dois même choisir quelqu'un parmi vous, là, quelqu'un de plus crédible et de plus visionnaire, de plus appréciable, je dirais tout simplement, <laughs> ce que je dis là, ça, ça n'engage que moi, hein? je dirais tout simplement, c'est Aliouba. Oui, parce que ce jeune-là, c'est un jeune téméraire. Il faut le dire la vérité. D'accord? Quoi qu'on dise de lui, ce gars, il était là. Ok, il n'a pas encore assez de militants, mais il était là. À travers ses discours sous le régime d'Alpha Condé, on savait que c'était quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, effectivement, même si euh, voilà, il n'a pas fait euh, grand chose sur le terrain, mais il était là en tant que président de son parti modèle. Il était là. Partout on l'invitait sur les plateaux de télévision, il avait toujours sa voix, il avait toujours quelque chose à dire. Et ce qu'il disait, c'était pertinent. Donc, dans ce qu'on appelle forum euh, euh, des, des partis politiques aujourd'hui, moi, la seule personne que je vois en tant que crédible, là, là, c'est M. Aliouba. Et j'aimerais dire à ce jeune homme de faire très attention et de ne pas se faire avaler par ces crocodiles qui n'ont plus de crédibilité. Donc, M. Aliouba, si vous me réécoutez quelque part, il faut faire très attention. Il faut faire des bons choix. Parce que aujourd'hui quoi qu'on dise, vous êtes un cerveau, vous êtes un jeune exemplaire. Ça c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Monsieur Aliouba, vous êtes un cerveau, vous êtes une référence pour la jeunesse guinéenne. Encore dire que vous êtes le fruit des universités guinéennes, mais vous êtes simplement à applaudir monsieur Aliouba, sincèrement. Vous êtes un brillant euh, c'est-à-dire je crois que vous avez été un très brillant étudiant et là vous avez des visions à chaque sortie que moi quand je vous, quand je vous écoute et que, que, que je vous regarde je me dis mais ça c'est exceptionnel ça ça c'est le fruit de nos universités c'est exceptionnel ce jeune homme est à encourager mais là il faut pas faire de mauvais choix ouais il faut réfléchir avant de faire le choix parce que si vous vous salissez maintenant quelle que soit votre brillance, quelle que soit euh, la facilité verbale que vous avez, mais vous risquez de vous induire en erreur. Donc faites très attention. Il ne faut pas vous embourber avec ces vieux crocodiles. D'accord Il ne faut pas qu'ils vous mangent. Vous avez de l'avenir sur la scène politique guinéenne. Faites très très attention. Faites du bon choix et puis ça ira pour vous. Donc, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Et je pense d'ailleurs que ce jeune homme, M. Aliouba, il a compris. La nécessité d'être prudent, la nécessité de rester visionnaire et de rester franchement un jeune exemplaire, une référence pour la jeunesse guinéenne, effectivement, euh, lui et moi on s'approche, euh, on a quelques idées similaires, effectivement, euh, voilà, mais bon, <laughs> c'est des politiques, euh, on peut avoir... Euh, des divergences à, à tout moment, d'accord On peut ne pas être d'accord sur tous les sujets, mais je sais quand même que c'est un jeune qui est très brillant, très brillant, et on doit l'aider à faire ses choix pour ne pas effectivement euh, euh, qu'il soit induit en erreur par certaines personnes. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Alors, je vais dire au colonel Nomadi Doumbouya, parce que le deuxième sujet, c'est ça, partager au maximum largement la vidéo. Je dis, mesdames et messieurs, que est-ce qu'il y a un lien entre l'opposition des opposants sur la scène politique guinéenne et la composition du CNT. Y a-t-il un lien Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Il ne faudrait pas qu'on qu qu pousse ce colonel à aller tout droit dans, dans, dans ce que moi, moi j'appelle le feu. Il faut qu'on conseille ce colonel. Y a-t-il un lien, sincèrement, objectivement D'accord. Si on doit parler avec objectivité en disant la vérité au colonel, y a-t-il un lien entre l'opposition des opposants et la composition du CNT Y a-t-il un lien Est-ce qu'on a besoin que l'opposition travaille dans l'harmonie pour composer le CNT Parce que quand j'ai entendu le colonel la fois dernière, que euh, allez-y et vous entendre. Ou euh, et ramenez-moi quelque chose rapidement. Je me dis, colonel, 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 arrêtez. Colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui est 100% colonel Mamadi Doumbouya. Mais colonel, arrêtez, s'il vous plaît. Je vous admire, arrêté. Vous n'avez pas besoin que ces acteurs politiques-là s'entendent pour composer le CNT Conseil National de Transition. Il n'y a pas de lien entre la composition du CNT et l'harmonie, l'entente, le travail en synergie des acteurs politiques, parce que les acteurs politiques ne s'entendront jamais. Donc, Colonel, s'il vous plaît, composez le CNT, laissez les acteurs politiques en paix. Il n'y a aucun lien. Vous n'avez pas besoin de l'harmonie des acteurs politiques. Ça n'entrave pas la composition. Nulle part, ni de loin, ni de loin, ni de loin, ni de près. Ça ne vous empêche pas de composer le CNT, mon colonel, s'il vous plaît. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous, mon colonel. C'est mon avis. Parce que je me dis, la composition du CNT, c'est comme la composition du gouvernement. Hein? Au moment que vous sois ici, le premier ministre Mohamed Beyavogui, j'en suis sûr qu'il y a eu tellement de propositions. Et vous avez fait, vous avez fait le choix. Vous n'avez pas, vous avez réfléchi, vous avez fait le choix. Le choix de Mohamed Biavogui, c'est un choix du colonel Mamadi Doumbouya et de ses hommes. Vous n'avez pas besoin, vous n'aviez pas eu besoin de l'harmonie des acteurs politiques pour composer le gouvernement. Le choix de vos ministres, vous n'avez pas eu besoin de l'avis ou de l'harmonie des acteurs politiques pour composer votre gouvernement. Et effectivement, c'est la même chose avec le CNT, mon colonel. Même si les acteurs politiques vous envoient 1000 personnes, c'est à vous de faire le choix. Donc vous n'avez pas besoin de l'harmonie entre les acteurs politiques pour nous composer de CNT. Mon colonel s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Je vais pas vous laisser aller, je vais pas vous laisser aller dans le feu. non 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 non. non. Je vous aime tant. Il faut que je vous dise la vérité quelquefois. Quand c'est nécessaire, il faut que je vous dise la vérité, mon colonel. S'il vous plaît, composez ce CNT, laissez les acteurs politiques. Les membres que les acteurs politiques vous ont envoyés là, les ré représentants que les acteurs politiques vous ont envoyés là, choisissez parmi ces membres-là. Parce que quand vous dites, colonel Mamadi Doumbouya, qu'on vous a envoyé 700 et quelques, non, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas dire au peuple de Guinée que c'est seulement les acteurs politiques qui vous ont envoyé les 700 et quelques. Ce sont l'ensemble des forces vives de la nation. La société civile, la jeunesse, les comédiens et tout ça. C'est tout ce qui compose les 700 et quelques. Donc, s'il vous plaît, faites le choix entre ces 700 et quelques et composez le CINT. Parce que vouloir dire que si les acteurs politiques ne s'entendent pas, vous n'allez pas composer le CINT, mon colonel, vous êtes en erreur. Là, vous êtes en erreur. Réfléchissez. Réfléchissez, mon colonel. Tous ceux qui vous disent aujourd'hui que euh, la division entre les acteurs politiques, ça permet au, au CNT, au, au CNRD de dérouler son agenda, ils sont en train de vous induire en erreur, mon colonel. Ils ne vous aiment pas. Il ne faut pas écouter ce discours pareil-là. Parce que vous serez en contradiction, vous serez en parfaite contradiction avec votre, votre engagement et votre vocation de bien faire les choses en République de Guinée. Tous ceux qui disent cela, il faut voir leur position. La plupart, c'est des gens du RPJ Arc-en-Ciel, pour dire que l'opposition entre les acteurs politiques, ça permet au CNRD de dérouler son agenda. Vous avez quel agenda, mon colonel Vous n'avez pas d'agenda. Votre agenda, c'est d'organiser la transition, organiser les élections et quitter là-bas. C'est ça votre agenda. Vous n'avez pas d'agenda politique. Vous n'êtes pas des hommes politiques. Vous n'êtes pas un politicien. Vous avez dit nous n'allons pas faire les mêmes erreurs que Dadis Kamara. Nous n'avons pas fait les mêmes erreurs que Lansana Conté. Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs que Sikuba Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs qu'Alpha Condé. Parce que quand vous dites nous n'allons pas faire les mêmes erreurs. Comme on l'a fait dans le passé, mais ce sont, ce sont ces gens-là qui sont succédés à la tête de l'État. Donc, s'il vous plaît, mon colonel, Mamadi Doumbouya, j'ai les deux mains au dos. S'il vous plaît, composez le, C, le, le CNT. Choisissez les gens-là. Choisissez les gens comme chaque fois vous choisissez. Il y a des décrets, il y a des décrets. Vous n'avez pas besoin de l'harmonie des hommes politiques pour faire des décrets. Vous, faites les, vous faisiez les décrets chaque soir et vous êtes en train de continuer toujours de nommer les gens dans le gouvernement, dans votre gouvernement. Est-ce que vous avez besoin de l'harmonie des acteurs politiques là-bas pour composer le CNT Non. Non. Mon colonel, je ne suis pas d'accord avec vous. De longtemps là, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, soyez cohérent, colonel Mamadi Djumbuya. Vous êtes un jeune. Nous vous aimons à mourir. Nous sommes avec vous. C'est-à-dire à mourir jusqu'à la réussite de la transition, mon colonel. Nous sommes avec vous. Donc, si nous vous supportons pour ce que vous avez fait, nous devons être capables de vous dire la vérité. Nous devons être capables de vous exprimer nos ressentis. D'accord Et, s'il vous plaît, mon colonel, il est temps de composer le CNT. N'écoutez pas ces acteurs politiques. Vous avez le choix entre ces 700 et quelques qu'on vous a donnés. Vous avez besoin de 81 personnes pour occuper les 81 places, 81 sièges. Vous avez le choix. Vous êtes un homme réfléchi. Vous avez des juristes qui vous entourent aujourd'hui. Ces juristes-là peuvent vous aider à faire le bon choix. Commencez. Décrétez, choisissez quelqu'un pour dire décrète tant tant tant, il est le président du CNT, mon colonel. Commencez ce travail. Comme disait Ali Ouba la fois dernière que il a cité une citation de euh, Amadou Amadou euh, Amadou pour dire la meilleure façon de gagner une bataille, effectivement c'est de l'éviter. C'est Atété qu'il a dit. C'est très important mon colonel. Cette citation que Ouba a cité la fois dernière c'est pour vous dire, mon colonel, je vais vous expliquer littéralement. C'est pour vous dire, la meilleure façon de gagner un conflit, c'est d'éviter le conflit lui-même. La meilleure façon de gagner une divergence, une dissension, c'est d'éviter la dissension elle-même. La meilleure façon de gagner une mésentente, c'est d'éviter la mésentente. La meilleure façon de gagner une malcompréhension, c'est d'éviter la malcompréhension elle-même. Alors, Monsieur Aliouba a voulu vous dire tout simplement, mon colonel, que la meilleure façon d'éviter la confrontation avec la classe politique composée des civils, c'est d'éviter tout ce qui peut être compromis entre vous. D'accord, colonel Donc, c'était votre frère Fama Kanté, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Vous savez que je ne vais jamais vous trahir. Si je suis capable de vous supporter, je dois aussi être capable de vous dire la vérité. Je dois être capable d'apporter mes grandes selles à la construction de l'édifice guinéen. Vous avez dit que vous avez besoin de tout le monde. Vous avez dit que toute la Guinée, nous avons échoué. Et si désormais nous voulons bien faire les choses, nous devons être capables, colonel Mamadi Doumbouya, de vous regarder dans les yeux et de vous dire les bêtes, bah, de vous dire les véritables vérités. Nous sommes conscients, vous avez pris les pour d'aller déloger Alpha Condé. Et vous saviez très bien que ce n'est pas nous les civils qui allons prendre ces kalachnikovs à aller déloger. On nous aurait traité simplement, on nous aurait traité de, de rébellion ou de quoi que ce soit. Vous, vous êtes des militaires légaux, des militaires légaux chez nous. Vous êtes issus de l'armée légale. Vous avez délogé le dictateur avec des armes conventionnelles. Ce qui est légal. Dictature, euh, coup d'État, ça arrive partout dans le monde entier. Donc on ne peut pas vous traiter de rebelle. Ce que vous avez fait, c'est un acte salutaire. Ça, c'est votre travail. Si les hommes, les civils, s'emparent du pouvoir et ne veulent pas quitter et sont en train de marginaliser le peuple, le devoir de l'armée, c'est de prendre ses responsabilités et déloger ses dictateurs. Ce que vous avez fait, c'est salutaire, mon colonel. Mais après l'euphorie, après la béatitude, après l'enchantement et l'enjaillement, c'est le temps de réflexion. Et c'est le temps des conseils, c'est le temps de dire la vérité. Donc, colonel dit, Doumbouya, si de près ou de loin, j'ai eu des propos euh, vexatoires, je présente mes excuses. D'accord? Si de loin ou de près, si de près ou de loin, j'ai eu des propos euh, un peu mal placés à votre encontre, des propos vexatoires, je présente mes excuses. Mais je crois que j'ai été très courtois en parlant de vous. Je crois que j'ai été très logique en parlant de vous. Je crois que j'ai été. Je me suis approché de l'intellect de l'élite guinéenne en parlant de vous. Donc, je pense que vous avez compris, mon colonel, c'est une plaidoirie, effectivement, pour que nous puissions quitter dans cette impasse-là. La composition du, CN, du, du CNT. Ça n'a rien à voir avec l'harmonie des acteurs politiques, parce que les acteurs politiques ne s'entendront jamais. Et donc je ne voudrais pas que vous preniez ce message de certains acteurs politiques pour le faire passer devant le peuple. Parce que le peuple lambda, le citoyen lambda, qui ne comprend parfaitement pas les choses, il va dire que le colonel a raison. Or, vous n'avez pas raison, mon colonel. En disant si les acteurs politiques ne s'entendent pas, ou s'il y a tel ça entre les acteurs politiques, on ne peut pas composer le CNT. Là, vous n'avez pas raison. Tous ceux qui vous donneront raison par rapport à ces propos ou à ces sorties ou à ces réflexions pareilles, ces gens-là veulent effectivement que vous couliez. Et moi, je ne vais pas permettre que vous, vos noms soient salis. Je voudrais que vous entrez dans l'archive guinéenne positivement et que vous sortiez par la grande porte. Je ne voudrais pas que vous sortiez misérablement comme Alpha Condé est sorti de notre République. Dans un vol aussi misérable, la tête, ba la tête baissée, avec les et le soleil et le masque je voudrais que vous sortiez de la guinée en tant qu'un fils digne qui a contribué largement à la mise en place de c'est-à-dire euh, à la mise en place d'une administration forte et à la mise en place des institutions fortes pouvant nous permettre dorénavant de décoller. je voudrais que vous soyez l'exemple. Quand on parle de la Guinée, qu'on se dise oui, le seul et unique, le véritable qui nous a apporté le bon vent, le bon oxygène, effectivement, c'est le colonel Nomadi Doumbouya. Je voudrais que vous soyez le double de Johnny Rollins en Guinée. C'est de ça qu'il s'agit, mon colonel. Je vous aime. J'aime le peuple de Guinée. C'est mon peuple. C'est le meilleur pour moi. Et je ne vais pas fermer les yeux euh, laissant ces euh, brebis égarées, effectivement, vous pousser à l'égarement on prie pour vous, et on prie pour la réussite. Parce que nous savons que votre réussite, c'est la réussite de la République de Guinée. Et votre échec, Astak Firola, dix millions de fois, ça sera l'échec de la Guinée. C'est que nous évitons.